criticize me for seeing complexities, and I do, because some issues just aren't all that simple. Saying there are weapons of mass destruction in Iraq doesn't make it so. Saying we can fight a war on the cheap doesn't make it so. And proclaiming mission accomplished certainly doesn't make it so. Vous, les Américains, vous avez commis le crime d'agression en Irak. Et ces pays du Sud disent, mais est-ce qu'il faut juger George Bush? Pourquoi un George Bush n'est pas jugé de la même façon? Vous y seriez favorable? No. Non. Pourquoi? Because there's never even bah, been a, parce que il n'y a pas eu d'accusation à l'encontre du président Bush. Alors, s'il y avait eu des abus de pouvoir, oui. Moi, j'étais contre. J'ai fait la guerre du Vietnam, il y avait des abus, j'en ai parlé. Et à la fin de la guerre, il y a eu. Est-ce que ça n'était pas un crime d'agression d'entrer en Irak sur la base d'un mensonge? Non. Well, you didn't know it was a lie. Ben, on ne savait pas que c'était un mensonge à l'époque. Tout ce qui a été produit à l'époque, on ne savait pas que c'était mensonger. Alors non, là encore, là vraiment... Mais lui mentait. Lui mentait. Sir, I'm not going to re-debate the Iraq war on here right now. We spent a lot of time doing that previously. I was opposed to going in. I thought it was the wrong thing to do. But we gave the president the power, regrettably, in the Congress, based on the lie. And when we knew it was a lie, people stood up and did the right thing. Je comprends ça, mais vous comprenez que pour les pays du Sud, bien sûr, ça, la justice, l'égalité, les principes, c'est leur impression, est à double standard et ça pèse aujourd'hui, y compris dans le débat sur le climat. Honestly, non, the Biden administration, l'administration Biden. Très clairement et très ouvertement de tout et du côté de la justice.